Bienvenue au nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, appelé le campus du Paris Saint-Germain, et avec Nuno Mendes, on va vous présenter. C'est parti. Alors ici, on est dans l'espace avant d'aller sur le terrain. Ah, je vous présente Mourad. C'est lui qui prend soin de nos crampons après l'entraînement aussi, mais il fait pas que ça, attention. Je suis au gymnase, salon de... Passamos maior parte do tempo, antes do treino fazemos pré-ativação. Temos a sala também de fisioterapia ao lado e acho que é um grande espaço e um espaço que vamos desfrutar muito este ano. Tá, estamos aqui há pouco tempo, mas dá para ver, tem aqui tem todas as máquinas para podermos trabalhar bem e poder ter uma boa performance. E é isto, a nossa sala de ginásio. Franchement, ça a été très bien fait et voilà, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler et faire une très belle saison. Là, on est dans l'espace balnéo, là où il y a tout, la piscine, le bain froid. C'est la cryo. Ça fait mal, mais c'est bien. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la récup, c'est bon pour les blessures, c'est bon pour lorsqu'on enchaîne les matchs tous les trois jours. C'est une pièce qui est essentielle, on va dire. Déjà, tu dois mettre des gants, un petit bonnet et des chaussettes. Ensuite, tu commences ici, tu rentres ici. Ensuite, tu passes par là. Tu fermes la porte, évidemment, et tu viens ici, à l'intérieur. Et tu restes 3 minutes à l'intérieur. Et il fait moins 110 degrés, je pense, par là. Et c'est 3 minutes, mais lorsque tu es à l'intérieur, tu as l'impression de rester 10 minutes. Ce qui est bien, c'est qu'on a la vue sur le terrain d'entraînement. Tu te réveilles, tu vois ce beau rectangle vert là, bien bien vert. Ah, faut aussi prendre en compte les jardiniers. Hein. C'est eux qui arrivent à mettre ce terrain comme il est maintenant, c'est aussi important. Je vous présente Sarah, encore une personne très importante pour le club. 30 ans. 30 ans au Paris Saint-Germain, très importante. Estamos aqui numa zona onde dá para ver também o futuro espaço do futebol feminino e da formação. Vão ter uma bela academia para desfrutarem, tem muitos campos, tanto sintético como gravado natural, e vão desfrutar ao máximo e acho que é um bom espaço para poder evoluir e ter os melhores jogadores a nível profissional.